Gérer la vitesse de défilement des images sur Movie Maker. Donc ici les images sont alignées. Nous allons chercher à jouer sur la durée d'apparition de ces images. Par défaut, les images généralement sont placées à 7 secondes, ce qui est beaucoup beaucoup trop si on veut créer une vraie animation sans transition. Nous allons pouvoir réduire dans un menu ou agrandir les vitesses. Ici, nous allons faire l'essai à 1. En sélectionnant par avance toutes les images, c'est-à-dire en appuyant par exemple sur la touche CTRL et en cliquant sur l'ensemble des images sans relâcher la touche CTRL. Faisons l'essai ici avec la vitesse de 1. Voilà. Un défilement se produit. On peut accélérer en descendant sous la seconde, mais cette fois-ci, il faut rentrer la valeur manuellement. 0,4 par exemple, en insistant précisément sur la virgule. Il ne s'agit pas d'utiliser le pavé numérique de votre ordinateur, auquel cas vous n'aurez pas la possibilité de saisir la valeur et un message d'erreur apparaîtra. Donc saisissez bien la touche virgule au niveau des lettres. Voilà. Donc ici je vais sélectionner 0,4. Et je fais un essai de lecture. Voilà, ça va beaucoup beaucoup plus vite. Donc à vous de doser la vitesse nécessaire pour créer votre animation.